Alors, je vous tease déjà un petit peu ce que j'ai ramené niveau marchandises. On a un petit Figment qui vient d'Epcot. Voilà, je l'ai pris. J'ai longuement hésité avant de le prendre parce que je trouvais que la peluche n'est pas. Elle est sympa en fait, mais elle n'est pas si ressemblante que ça. Mais je me suis dit, bon, on pourra pas le trouver partout ailleurs. Hein. C'est franchement un article assez exclusif à Walt Disney World, donc voilà, je l'ai pris. Voilà, je crois qu'on en a fini pour tout ce qui est de l'hôtel. Je vous ai vraiment fait un tour assez complet. Piscine, rénovation, etc., etc., quartier. Nouvelles choses à venir. Donc, fini pour ce qui est de l'hôtel. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo au Magic Kingdom. J'espère vous y retrouver demain pour une toute dernière fois après Disney's Animal Kingdom. Mais seul l'avenir nous le dira. Voilà. Voilà. Alors à demain, en tout cas au Disney's Animal Kingdom, ça c'est sûr et certain. Allez, à demain, bye bye. De retour au Disney's Animal Kingdom, alors je vous annonce les plans, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo. On ne devrait pas y rester longtemps, puisque ce soir j'essaie de retourner au Magic Kingdom, plutôt tôt dans la soirée d'ailleurs, afin de pouvoir avoir Happily Ever After que j'ai manqué, donc voilà. Disney's Animal Kingdom, j'ai plus ou moins eu mon compte. Je vais retourner sur Pandora un petit peu, à droite, à gauche, et je pense qu'en fin d'après-midi maximum, je suis parti. Alors cette année, c'est les 20 ans du parc. Je n'ai pas noté d'événements majeurs, il doit y en avoir. Hein. Mais on n'a pas eu affaire à une nouvelle attraction, à un nouveau spectacle, je sais pas. Ah, si, peut-être les oiseaux, le spectacle là-haut. Bon, ça a juste été remodulé, c'est pas vraiment nouveau. Hein. Ils ont juste mis les personnages de là-haut dans un spectacle en fait. Mais sinon voilà, c'est vrai que c'est un 20e anniversaire assez discret finalement. Mais bon, ils se préparent tellement d'autres choses à côté. On va avoir Galaxy's Edge que je vous filmerai demain au Disney's Hollywood Studios, que je ne me trompe pas. Voilà. J'ai l'impression qu'il fait encore plus chaud que les derniers jours. Aujourd'hui je trouve que c'est insoutenable. Il n'y a pas vraiment beaucoup de nuages dans le ciel. Bon, le premier jour j'ai réussi à vous avoir Flight of Passage. Aujourd'hui je vais vous montrer Navi River Journey. Alors il y a vraiment une storyline hein, autour de ce nouveau land. C'est ça aussi qui fait que je l'aime beaucoup. Ça se passe vraiment. J'ai l'impression que ça se passe après les événements du film en fait, puisqu'on voit que toutes les parties. Toutes les infrastructures humaines ont été laissées à l'abandon. Et certaines sont nouvelles, mais d'une autre équipe, quoi. Une autre équipe, les gens qui sont restés à la fin du film, cette fois-ci vivent, cohabitent avec les navires de façon pacifique. Il y a un partenariat, de ce que j'ai lu. Donc voilà, c'est vraiment, ce sont vraiment des aventures qui se passent après le premier film. La file d'attente est assez longue, on verra si je fais vraiment 1h05 ou pas. 1h15, pardon. Si ça avance vite, ça devrait aller. Bon, par contre, du coup, avec ce qui se passe ce soir, mon retour au Magic Kingdom, ça veut dire que j'annule le restaurant Rainforest Café, ce qui est pas grave. Un petit peu quand même, mais pour voir Happily Ever After, ça vaut le coup, je pense. Parti pour Navi River Journey. Yeah.
encore une tempête au-dessus de nous, ce qui fait que les attractions en Asie sont fermées. De mon côté, je vais aller faire It's Tough to be a Bug, le spectacle de Mille et Une Pattes. Et si ça reste fermé trop longtemps, Magic Kingdom arrivera plutôt que prévu, et puis voilà, hein, c'est tout. Hein. Un dernier tour de Navigator Journey peut-être après, et si c'est pas ouvert, ciao bambino. Par ailleurs, pour demain, j'ai aussi changé mes plans. J'ai remplacé le Fastpass de Rock'n'Roller Coaster par un Fastpass Plus sur Fantasmic, ce qui voudrait dire qu'on n'aura pas besoin de se presser pour Fantasmic. On peut arriver même 5 minutes avant le spectacle, normalement on aura des bonnes places, ce qui est une bonne nouvelle, voilà, parce que je me suis dit Rock'n'Roller Coaster de toute façon, ça m'étonnerait que je fasse beaucoup d'attentes en single rider, ça devrait aller, quoi, tant pis, voilà, je me suis dit ça sert à rien finalement d'avoir un Fastpass pour Rock'n'Roller Coaster, alors qu'il y a une single rider, voilà. Fantasmic demain, donc à part ça, sinon ça changera pas, je vous emmène toujours voir Toy Story Land, que j'ai déjà visité avant-hier, j'ai trouvé sympa. Je vous en reparlerai une fois sur place, bon, c'est sympa, c'est sans plus quoi, c'est vraiment en attendant Galaxy's Edge, ça se voit. J'aime bien la file d'attente de It's Tough to be a Bug. Elle est vraiment naturelle, sauvage, et bien sûr on a le Tree of Life tout autour. Ça tonne, hein. Ça gronde. Pourtant, le plus gros de l'averse est déjà passé, mais les éclairs sont toujours là. Il pleuvait vachement tout à l'heure quand j'étais dans la file d'attente intérieure de Flight of Passage. C'est vraiment ça. Hein. C'est vrai qu'en septembre, bon, c'est pas encore fini, l'époque estivale, donc on a encore de gros orages qui peuvent tomber au moins une fois dans la journée. Si vous avez de la chance, il n'y a pas d'orage dans la journée. Mais il y a toujours un moment de la journée où c'est très menaçant. Alors, ou ça tombe pas. Mais c'est clair que le temps n'est pas toujours au beau fixe toute la journée. Ça, c'est impossible. Même si la température, elle, par contre, il n'y a rien à dire. Voilà, comme promis, de retour pour cette soirée, cette dernière, cette fois-ci, c'est sûr, au Magic Kingdom. On va pouvoir enfin voir Happily Ever After qui a lieu à 20h30. Cette fois-ci, je ne me fais pas avoir. Et comme il est encore relativement tôt, on va pouvoir profiter des attractions une toute dernière fois ici au Magic Kingdom. Voilà, voilà. C'est toujours orageux, mais au moins ici, quand il y a un orage, il y a moins d'attractions qui ferment. C'est plus sympathique. C'est parti. Ça, c'est Sony. C'est un des audio-animatroniques les plus célèbres. Ou à Disney World. Je crois qu'il est là depuis un bon bout de temps, lui. Il joue de la musique, il chante et il fait des vannes. C'est comme un talk show américain en fait. Ça y est, en place pour Happily Ever After qui devrait commencer dans un quart d'heure maintenant. D'avance, je suis désolé pour les hispanisants derrière nous qui gueulent comme des tarés tout à l'heure.
Pourquoi on n'a plus Disney Rail, ça? Ça me manque grave. C'était génial, c'était super. Alors, on va dire que ça n'a pas la storyline de Disney Dreams, non. Toujours pas, donc ça n'a pas l'excellence. Par contre, ça a le mapping que Disney Illumination, ça a complètement foiré, ça c'est clair. Le mapping, il est excellent au niveau de Disney Dreams. Et malgré tout, la thématique Disney Dreams, elle est surtout sur le rêve, hein, Disney Dreams. Là, le conte de fées, il est bien réussi dans la thématique. C'est juste, ça manque un peu d'histoire et peut-être de personnage central, on va dire. C'est un peu un background de tous les Disney sans aucun fil rouge. Mais c'était quand même vraiment... Et pyrotechnie 20 sur 20. C'est vrai que ça manque aussi forcément des fontaines de Disney Dreams et de Disney Illuminations aussi. Ça, c'est vrai qu'on a le gros plus, nous, à Paris, d'avoir quand même les jets d'eau qui font quand même la différence, hein. Franchement, je vous le dis. C'est vrai que ça manque. Eux, ils se rattrapent avec une pyrotechnie vachement plus poussée que la nôtre. Ça, on peut pas dire le contraire. Bon, c'est ici que va se terminer cette troisième et dernière journée au Magic Kingdom. Enfin, c'était qu'une demi-journée, mais quand même. On est dans la file d'attente de Ariel Undersea Adventure. Vraiment très belle. Moi, je vais faire le tour par là. Voilà. Une très belle attraction que j'aimerais bien voir aussi à Paris. Même si je me dois de le dire quand même, juste pour parler un peu de cette attraction, la fin n'est pas la bonne. C'est pas la vraie fin. Il manque une scène ou deux, effectivement. On sent que ils ont coupé la version originale de l'attraction qui était prévue pour à Paris. Hein. Voilà, ils ont dû la remoduler. Même si heureusement on a des scènes vachement sympas aussi. Hein. On se retrouve demain au Disney's Hollywood Studios pour cette toute dernière journée à Walt Disney World. Après c'est terminé, voilà. Et on va surtout aller voir Galaxy's Edge qui se prépare et découvrir bien sûr Toy Story Land qui est la nouveauté de cet été. C'est tout propre, c'est tout frais. Ça vient de sortir. C'est leur Toy Story Land, voilà. Je vous dis à demain pour la dernière journée. Salut à tous et à la prochaine. Bye bye.